Eh bien salut, c'est Barof et bienvenue pour une vidéo un peu particulière. Alors voilà, pourquoi je voulais vous faire cette petite vidéo, c'est pour vous faire découvrir un ouvrage que j'ai acheté il y a très très récemment, je vous le montre tout de suite. Il s'agit de Gaming Goes to Hollywood. Alors celui-là, c'est le coffret collector, hein. C'est un ouvrage qui se trouve chez Omakebooks. Donc j'ai pris la version collector, moi, donc on va la découvrir ensemble en fait. Donc hop. Donc normalement il n'y a qu'un seul livre, et dans la version collector donc, qui est incluse dans le coffret, on a déjà c'est une version, il faut préciser collector, pourquoi? Parce que édité à seulement 1000 exemplaires, donc moi j'ai l'exemplaire numéro 656, et j'ai voulu justement racheter d'autres collectors, d'autres livres hein, qui existaient chez eux, et il faut savoir que ben fini, 1000 exemplaires terminés, donc voilà, il n'y aura pas de réédition. Donc c'est ça qui est intéressant déjà. Et on trouve d'abord donc le livre original. Donc en fait, je pense que c'est... Est-ce que c'est marqué derrière exactement de ce que propose ce bouquin-là? Non, c'est pas marqué. En gros, c'est un livre qui fait un peu l'historique des jeux vidéo au cinéma. Donc aussi bien les adaptations de jeux vidéo en film que éventuellement tout ce qui est apparu... au cinéma depuis le début, c'est-à-dire par exemple, je vais prendre un exemple simple, rappelez-vous Elliot dans E.T., un des personnages E.T., hein, qui, si je dis pas de bêtises, doit avoir un t-shirt Atari, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bah tiens, regardez, on va les voir dedans d'ailleurs si c'est indiqué. Alors, on va déjà voir comment ça se présente. Bah tiens, le hasard, gros hasard, je tombe pile poil sur voilà, Tomb Raider. Voilà. Donc ça va jusqu'à quel film d'ailleurs? On va regarder ensemble, encore une fois, le dernier film, les stars dans les jeux vidéo, Ah, j'aurais bien voulu voir Tom Clancy, Splinter Cell, qu'est-ce qu'on a de Squadron 42? Il y a des trucs que je connais pas du tout. Ouais. Ça, bon, voilà, ça vous parle, ça vous dit quelque chose ce petit personnage là? Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Wing Commander, Doom... Doom, No Comments, Silent Hill. Alors bizarrement Silent Hill par exemple, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est pas un si mauvais film, une si mauvaise adaptation. Beaucoup de gens n'aiment pas, surtout sur la chaîne Halluciné que je suis. Les professionnels du cinéma en général n'aiment pas du tout ce film. Bon, moi j'avoue que voilà. Par contre ça, Assassin's Creed par exemple. J'ai regardé les 10-15 premières minutes et puis fini. Ça m'a, alors j'étais complètement à côté du truc. J'ai eu cette espèce de machine qui l'attrape par la table. Je dis, ça n'a rien à voir avec ce que propose le jeu. Ils se sont trop éloignés, à mon avis, des jeux. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, voilà. Enfin bref, en tout cas, ça va. Ah, une grosse bouse aussi, hein, on va pas se le cacher. Mario en film. À la limite, pour un animé, pourquoi pas. Mais alors, le film, je pense, très compliqué. Space Invaders. Ah ben oui, Space Invaders, c'est vrai. Bah ben, regardez, tiens, justement, on en parle là. On voit les E.T. aussi. Bon, voilà. Donc, super bouquin. J'ai hâte de le parcourir. J'en ai tellement d'autres à lire, en plus, avant. Mais bon. Voilà. Écoutez, les gars, c'est un petit peu comme toutes vos vidéos que vous mettez hein, sur vos chaînes. J'ai pas toujours le temps de regarder en temps et en heure. Des fois j'ai 10 épisodes de retard, un petit pensée à voir, certains se reconnaîtront hein. Et voilà, donc c'est entre les séries, les bouquins, les films. Alors ce qui fait la spécificité aussi de ce collector, c'est ce deuxième livre qui s'appelle Back to the Games. Donc est une anthologie visuelle des adaptations vintage de films en jeux vidéo. Donc ici, on va avoir une sélection d'une centaine de flyers, publicités, films célèbres, adaptés en jeux vidéo, qui ont marqué les années 60, 80, 70, 80 et 90. Bon, hein, ça me renvoie à ma jeunesse, en final, hein, parce que j'ai... Tiens, voilà, je vais vous montrer ça, Knight Riders. Je sais pas si on voit bien, j'espère que je cadre bien, parce que j'ai pas le retour sur l'image quand je vous montre. Airwolf, V à côté... Voilà, donc c'est excellent ça, c'est marrant tout ça. Freddy, le premier film d'horreur que je suis allé voir, j'avais hâte d'avoir mes 12 ans pour pouvoir enfin aller voir ce genre de film. Je l'ai un petit peu regretté d'ailleurs, le soir dans ma chambre, le soir d'être allé voir Freddy, j'ai un petit peu... Alors je parle pas du tout premier, hein, je parle du deuxième film. Voilà.
Qu'est-ce que j'adorais voir aussi? Bon voilà, moi ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, ça en tout cas. Donc ça va me renvoyer forcément à des souvenirs. Regardez ça, Alien vs Predator sur Super NES. Qu'est-ce qu'on a de... Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ah, ça concerne... Ouais, ça concerne pas forcément les plus jeunes d'entre vous, sauf si vous êtes à la base des fans de rétro gaming. Alors je rappelle, moi je suis pas un grand fan de rétro gaming. C'est mes débuts dans le jeu vidéo, évidemment, mais c'est... J'aime bien ce que... Enfin voilà, j'aime le jeu vidéo actuellement, qui sont beaux, qui proposent des trucs vachement plus vastes, etc. Voilà. Donc, écoutez, c'était juste pour... comme ça, pour marquer le coup. Donc je vous montre, voilà, Gaming Ghost Hollywood. Alors le collector, je l'ai payé, en gros, il vaut 40€ à 39,95€. Alors, il vous l'envoie comme ça. Donc les frais de port devaient être à 3€, je crois, pour un envoi simple. Autant vous dire que moi j'ai pris à 6,80€, hein, tant pis, hein, j'en ai en gros pour 50 balles quoi. C'est 47€ je crois en tout pour l'avoir en suivi quoi. Parce que se faire envoyer ce genre de truc sans suivi, c'est très risqué à mon avis. Hein. J'ai reçu le colis d'ailleurs, moi il était ouvert sur le côté à mon avis, il y a un enfoiré qui a essayé de passer ses mains pour voir ce qu'il y avait dedans, s'il y avait un truc à chourer. Hein. Parce que Colissimo, ils sont assez champions pour ça, voilà. Écoutez, j'espère que cette petite découverte vous a plu. La version normale doit coûter 10€ de moins, on est autour de 20. Là, on a 39, donc là, ça va pas dépasser les 30€ de toute façon. Voilà, bon, en espérant que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut, bye bye!